Bonjour, Vincent, CEO de Kiplin. Kiplin est une plateforme ludique et connectée. Elle est utilisée dans le cadre du traitement de l'inactivité physique. Aujourd'hui, il y a plus de 10 millions de personnes qui sont atteintes de maladies chroniques. Cancer, diabète, maladies cardiovasculaires. Pour toutes ces personnes, l'activité physique est considérée comme une thérapie non médicamenteuse. Par exemple, dans le cadre du traitement du cancer, l'activité physique réduit la fatigue de 25% et diminue la mortalité globale d'environ 40%. Aujourd'hui, les solutions proposées aux établissements de santé et aux patients montrent des limites. La première limite, trop peu de patients y ont accès. Bien souvent, l'enseignement de l'activité physique se fait en petits groupes de 10 à 15 patients, des séances difficiles à organiser. La deuxième limite, l'impact de ce coaching est difficile à mesurer. Il ne génère aucune data et ne permet pas de suivre les changements de comportement des patients. Ces deux limites représentent un réel frein dans le déploiement à grande échelle de l'activité physique adaptée au sein des parcours patients. Kiplin propose une solution digitale accessible à tous et partout, grâce à un objet connecté ou une application mobile associée à une plateforme web. Chaque patient est invité à jouer avec son activité physique et à son rythme. Chaque petit pas compte et chaque progression est encouragée et suivie dans le temps. Basée sur la data, notre solution permet aux établissements de santé de mesurer l'engagement des patients et d'analyser concrètement les effets du dispositif dans la thérapie. Notre solution ludique et connectée est déjà déployée dans des établissements comme l'IGR, l'Institut Gustave Roussy, premier centre de lutte contre le cancer en Europe, ou encore la PHP, l'assistance publique des hôpitaux de Paris. Notre projet est de développer une véritable thérapie digitale, scalable à grande échelle et référente en prévention santé via l'activité physique.